La Pentecôte, un moment clé, un moment important dans tout combat. Jésus nous a appris par la prière qu'on appelle la prière universelle que le règne, la puissance et la gloire appartiennent à Dieu. Et
quand il est venu lui-même sur la terre, il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Alors, c'est cet Esprit qui lui a donné la puissance de réaliser tout ce que de toute éternité on connaît de Dieu et de Jésus-Christ. À la Pentecôte, juste avant la Pentecôte, il a dit ceci qui est très important, je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, et surtout la qualification qu'il en donne, l'Esprit de puissance. L'Esprit de puissance vient de Dieu à qui la puissance appartient. Or, il n'y a aucune victoire que l'on gagne, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit physique, qu'elle soit militaire ou autre, sans puissance. La puissance se manifeste de beaucoup de manières. Puissance économique, puissance spirituelle, puissance militaire, ainsi de suite. Et surtout, une puissance dans la vie de celui qui est au combat. Et quand on regarde le livre d'Actes 2, qu'est-ce que l'on constate? Voilà des hommes et des femmes qui tremblaient, qui craignaient, qui se cachaient partout. Et qui craignaient même, surtout Pierre, de dire qu'il appartenait à Jésus. Voilà ces hommes qui tout d'un coup ont de l'audace. Ils parlent des langues qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que leur intelligence, les limites de leur intelligence n'existent plus. Et des langues qu'ils parlaient selon que l'Esprit leur en donnait. Et ces langues touchaient celles et ceux qui étaient là, à Jérusalem. Et donc, c'est un moment pour tous les combattants, pour tous ceux qui se battent, même contre les injustices, contre les tyrans de ce monde. C'est un moment clé. C'est pour cela que je ne voulais pas ne pas l'indiquer à celles et ceux qui sont dans des combats énormes, des combats qui les dépassent. Et tous ces combats ne peuvent pas dépasser Dieu. Aujourd'hui, c'est simplement cela que je voulais rappeler. Et je voudrais qu'on se mette ensemble dans la prière pour que l'Esprit de puissance descende sur nous, que nous ne continuions plus à compter sur nos propres forces, mais que la force de Dieu, la puissance de Dieu nous habite, nous conduise et nous fasse faire ce qui hier encore était impossible. Moi, j'aime la puissance. Et c'est pour cela que dans le combat dans lequel je suis, ce n'est pas la force de mes mains, ce n'est pas la force de l'argent, où je fais pas, j'emmagasine pas de l'argent avant d'aller au combat, mais simplement la force et la puissance de Dieu. Alors, mes amis, nous pouvons ensemble prendre conscience que même dans la vie de tous les jours, dans votre vie, dans les difficultés pour vivre que vous avez, la seule puissance qui va tout changer à l'instant, c'est la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu a un autre nom, c'est l'Esprit Saint. C'est pour cela que je voudrais que nous gardions simplement cela et que nous puissions chanter « Ô viens, Esprit Saint, ô viens, Esprit Consolateur, ô viens, Esprit de puissance, ô viens, Esprit de victoire, ô viens, ô viens. » Et quand nous disons « Ô viens, Esprit Saint », nous disons « Ô
aussi, où vient Dieu. Où vient Dieu, où vient le Père, où vient Jésus-Christ. Voilà, chantons et continuons la prière. Ô viens, Esprit Saint, ô viens, Esprit Consolateur, ô viens, Esprit Saint, ô viens, Esprit de puissance, ô viens, Esprit Saint, ô viens, Esprit de victoire, ô viens, Esprit Saint, ô viens, Esprit consolateur, ô viens, Esprit Saint, ô viens, Esprit de puissance, ô viens, Esprit Saint. Ô viens, Esprit de gloire. Ô viens, Esprit Saint. Ô viens, Esprit de victoire. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, 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 viens.